Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. On se retrouve pour un petit stream découverte de Jedi Survivor. Eh ouais les gars, c'est faux, on va chez Hunt. Je vous ai tellement bait. Non non, on va vraiment jouer, vous inquiétez pas. Même si un certain tétard jaune m'appelle, hein, vraiment, il m'appelle le gars. Salut Olivier P, merci Yong pour le raid, bienvenue au Raider, salut Idiot. Et salut Yongos du coup, merci pour le raid, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous présenter des petits trucs que j'ai chopés. Salut le hibou. On change un peu, écoutez, c'est marrant ça. Cool cette web TV. Je voulais vous présenter un truc cool. Je vous avais parlé de jouets McDo que j'aimerais bien récupérer. Et je vous avais parlé des jouets McDo, c'est Mister Vegeta. Space Jam, d'à l'époque, de, je crois, 98. Je dis pas de conneries. Pas du tout, 96. Vous le voyez là. Et bah du coup, j'en ai commandé quelques-uns et bah, je les ai reçus. Donc je suis très très content. Alors, je vais quand même vous montrer parce que c'est incroyable. Regardez ça. Ça bouge. Voilà, bon je crois que je les ai pas tous. Il me semble que... Il y a un Daffy Duck en plus ou je sais pas quoi. Mais... j'ai réussi à en choper pas mal. J'ai le Taz. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je pense que vous vous rappelez. Je m'en rappelle, mais voilà. Donc il y a Taz. Vinted, évidemment. Il y a... Titi et Grominé. Voilà. Il y a un des aliens. Qui a remué les bras. Il y a Bugs Bunny. Et il y a Lola Bunny. Et je crois qu'il y a Daffy Duck aussi sur un ballon. Mais lui, je l'ai pas trouvé hors l'eau. Et là, en fait, c'est deux lots que j'ai achetés. Et du coup, j'ai des doubles. Regardez. Des Bugs Bunny, genre, j'en ai deux. Lola Bunny, je dois en avoir une en plus. J'ai un Alien en plus. Et je crois que j'ai un Titi et Grominé en plus, voilà. Donc... très content, très très content. Et du coup, bah voilà, faudrait que je regarde la collecte complète pour voir ce qui me manque exactement. Mais ça tue. Voilà. Et à l'époque, en vrai, je devais avoir le. À l'époque, je devais avoir le Bugs. Je pense que j'avais Bugs Bunny, j'avais peut-être Taz et j'avais Daffy Duck, je crois. Ouais, c'est tout. Le reste, je m'en rappelle pas. Mais voilà, donc je suis trop content. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment trop bien. Et tu peux faire un genre de puzzle. En mettant les persos un peu comme tu veux. Je sais pas s'il y a un... Je sais pas s'il y a un sens précis. Ah, mais si, il y a un sens précis. Attendez, parce qu'il y a un logo par terre. Donc le Labunny et le mec, ils sont comme ça. En mode face à face. Et après les autres, je sais pas trop comment les mettre. Enfin voilà. Du coup, voilà. Très content, bien adoré. Voilà. Et donc maintenant, on va jouer à jeudi. L'excellent jeudi. Montez le son. Hop. Et let's go. Alors, non, ça c'est les paramètres, Jean-Jean. Mise à jour a été détectée. Ah non. Ah non. S'il vous plaît. 140 gigas d'installation. Ah. Ah, la co est en PLS. Apparemment. Étonnant. Mais je record. Je record de mon côté, donc vous aurez une rediff sur la chaîne en 1080p, etc. Quoi. Donc découverte totale, le jeu est sorti il y a une semaine, je crois. Deux semaines.
Et bah, je l'ai toujours pas installé. Deux semaines. Et je l'avais toujours pas installé parce que 140 gigas avec ma connexion de Pécor, c'était horrible, quoi. Voilà. Donc là, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Je connais pas du tout. J'avais plutôt bien aimé le premier, même si j'ai trouvé que c'était quand même un sous Sekiro, Tomb Raider. En fait, ça mixait plein de genres. Et je trouvais que c'était mauvais. Enfin, c'était relativement mauvais dans chaque genre, en fait. Enfin, mais ça se laissait jouer. Et je me dis, bon, peut-être que le 2 serait un peu mieux, tu vois. Ce qui manquait cruellement, c'était des boss avec des bons patterns et des patterns variés. Autre que j'esquive sur le côté le gars et je tape dans son cul, voilà. Et puis ça manquait aussi un peu d'intérêt dans le gameplay, quoi. Je veux dire, bon, tu tapais au sabre, t'avais double sabre, sable à double lame et puis rideau, quoi. Donc ça manquait un peu d'intérêt, de combo, etc., je trouvais. Et puis l'histoire était flinguée, enfin voilà. On va voir. Proche PC. Les effets de la cinétose. La cinétose. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'était. En vrai, c'était sympatoche, mais. La nouvelle génération de Jedi. C'était vraiment un Sekiro du pauvre, quoi. Je me rappelle qu'il y avait un gars au taf. Je lui avais dit oui, on parlait des meilleurs jeux de 2019, je sais pas quoi, à l'époque, hein, ou 2020. Et je lui disais, bah moi c'est Sekiro, quoi, c'était une dinguerie. Et le mec il disait, non, mais Sekiro, c'est un bon jeu, là, mais il avait l'accent québécois. C'est un bon jeu, là, mais c'est. Il n'y a pas de niveau de difficulté. Au moins le Jedi Fallen Arda, il y a un niveau de difficulté, là. Ouais, d'accord. Ah, d'accord. Bah, mange une poutine et ferme ta gueule. Et c'est pour ça que je suis parti là. Automatiquement, je suis rentré chez moi. C'est ça. Et non, faut arrêter. J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais les survivants doivent s'adapter. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'ordre Jedi. La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Exécuter l'ordre 66. Dark Sidious. J'avoue que c'est très laid. Commencez pas à cracher dessus, on découvre. Imaginez, ça va être incroyable. Elle te trahira aussi un jour. Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire. C'est cette douleur qui est plus forte. Je pense qu'il va y avoir un petit fight contre Dark Vador là, parce que dans le 1, il était teasé, enfin il était pas teasé, mais on le voyait à la fin. C'est une étape inéluctable et nécessaire. On se battait pas contre lui. Donc. Toujours pour ceux qui continueront à se battre. Jamais je n'oublierai. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. Au nom du Conseil Jedi, Cal Kestis, debout. Kestis 51. N'oublie pas, t'accorde ta confiance qu'à la force. Alors, où allons-nous ? D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais fait à l'époque du premier. Où c'était un genre de compil de plein de moments de jeu en off. Je vous invite à aller voir ma vidéo, voilà. Alors, commencer une nouvelle aventure. Bah ouais, en vrai, l'histoire de Jedi et Fallen Order, je l'oublie, mais j'en ai rien à foutre, donc voilà. Je veux juste me mettre en mode performance. Voilà. Parce que... je m'en branle du 4K de mes couilles qui va ramer dégueulasse, donc c'est mort. Et apparemment, même en performance, ça rame, donc... On va voir. Oula, alors oui, alors les niveaux de difficulté. Alors le Québécois là, il était bien sympa. Bah ouais, bah ben sûr, le niveau de difficulté, c'est de coller. Bah ouais, mais ton niveau de difficulté, c'est quoi en fait?
C'est plus tu montes en hard et moins tu fais de dégâts et plus les ennemis te font mal en fait, te one shot. C'est ça un niveau de difficulté bien dosé selon Jean Poutine. Donc bon, voilà. Donc c'est de la merde, voilà. Donc on va faire Chevalier Jedi, je pense. Attends, on va prendre le classique. Hein. Moi j'avais testé vraiment en hard de ouf et c'était impossible en fait. Dès que tu te faisais toucher, c'était one shot. Tu mettais 8 heures à buter un gars, c'était de la merde. Bref. Alors, Chevalier Jedi. Voilà, mais on le voit en fait. Eh ben, le niveau de... Mais regardez, on voit les jauges en bas. Voilà. La fenêtre de parade est plus la merde. Et les dégâts reçus, ils sont antisémites et hostilité antisémite, voilà. En vrai, faut mettre en... En classique, quoi. Indice d'interaction. Ouais, ouais, on va tout laisser en vrai. Let's go, hein. Ah, merci Yong pour le... Pour le Best of Star Wars, n'hésitez pas à aller y jeter un œil pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vais d'ailleurs copier-coller ton message, Yon, comme ça je le reposterai un peu. Non, 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 j'ai cliqué. J'ai cliqué sur le lien, désolé. My bad, j'ai misclick. Salut Sous-X, bienvenue. Bienvenue, ouais. C'est joli, hein. Oh, il l'a épinglé. Incroyable. Incroyable. Bon, je vais poser la manette parce que je pense que... On va avoir une cinématique de 6 heures. En vrai, c'est beau, hein. Le jeu est plutôt joli, hein. Oh la gueule! Ah oui, il a mangé chaud le bordel. Ah, il est innommable. Le poncho dégueulasse. Ah, c'est vrai qu'il y a un poncho dégueulasse. Et il y avait BD1 aussi. D'ailleurs, BD1 qui apparaît dans... Je crois qu'on le voit dans Book of Boba Fett. Il me semble. Parce que j'ai regardé du coup Book of Boba Fett et j'avais d'ailleurs, j'ai plutôt bien aimé. Et je crois qu'on voit BD-1 dedans justement. Eh oui, les amis. Bon, vous me direz pour le son et tout quand on sera in-game. Là, j'ai mis à fond, mais si vous voulez, je peux baisser si c'est trop fort. Donc, on est prisonnier, c'est ça ? Pas maintenant en fait. Oh non, ils nous font le coup de ça. Alors, où se passe l'échange ? Oh non. Mais franchement, les jeux où on commence comme ça en mode on peut pas jouer mais juste à avancer, mais ça a 1000 ans quoi, faut arrêter que ça. Je me casse, je m'en bats les couilles, tu vas faire quoi ? Nous aussi.
Ah ouais, je suis automatiquement aimanté au gars, quoi. Ça va, sénateur, ça va. En vrai, je trouve le jeu très beau. Et je suis que sur mon petit écran de PC pourri. Branché avec un câble HDMI qui a pas de 4K et tout. Donc, j'ai hâte d'y jouer sur ma télé. Hein. Je pense qu'il doit être incroyablement stylé. Oh, c'est... Non, c'est pas mal, j'aime bien. C'est joli, il y a des néons, c'est bien beau. C'est bien beau, j'aime bien. Ça va le son du coup ou il faut que je baisse? Ah bah non, hein. Ça vaut jamais, hein. Le niveau 2046 n'a pas fait allure. La guerre coûte cher, il faut bien que quelqu'un paye. Salutations, je suis le sénateur Daos. C'est déjà difficile de joindre les deux bouts dans cette galaxie. Mmh. Ce n'est pas ce que dit la propagande. Oula, c'est qui lui? Mais comment pouvons-nous prospérer? Sénateur Sejan, c'est Jan? Je crois que je vais rencontrer un sénateur. Ces derniers temps, ils se montrent. C'est Dante. Il fait une exception pour nous. Eh bien, on a de quoi le faire entrer dans les bonnes grâces de l'empereur. Ceci est notre envie. Voilà. Je le vois. Deux semaines de download, hein, ça vaut le coup quand même. Hein. Ils l'ont déjà scanné au point de contrôle. Du calme, officier. Franchement, ouais, après, bon, c'est un rail pour le moment, mais le jeu est vraiment beau. Ça va le son du coup? Personne répond, j'imagine que ça va, mais juste être sûr en fait. J'ai vraiment une confirmation. J'ai pas envie qu'il que ce soit dégueulasse, quoi. Bah ouais, mais je veux dire, il y a 16 personnes sur le live. Les autres, vous restez ici. Il y a d'autres personnes qui peuvent répondre, quoi. C'est qui lui? Ah oui, il y en avait des robots comme ça. Seulement vous, les autres attendent. Terroriste. Tu vas le laisser t'appeler comme ça? Ça suffit. Bah, on vous l'avait trouvé. Au marché nocturne. Il essayait d'acheter une caisse de bombes à électroprotons à un marchand d'armes chagrin. Comment vous l'avez arrêté? Les Jedi ont besoin de dormir, comme nous. Quand le sénateur s'occupera de toi, tu imploreras la mort. Toujours sympa de rencontrer des fans. Insupportable, les gars. J'ai envie de le claquer. Par ici, Jedi. Doucement, la conseil. Occupez-vous de vos affaires. Ce sont mes affaires. Le prisonnier doit être en pleine forme. Le sénateur a demandé qu'on lui amène le prisonnier en vie. Il respire, n'est-ce pas? Le droïde. Le droïde. Aïe. La zone est-elle sécurisée? Oui, sénateur. J'espère bien. Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin. Un Jedi est un cadeau rare de nos jours. Que m'avez-vous amené d'autre? Un petit pack de Duvel. T'es une vieille mouche à merde qui tourne, là. Veillez à ce qu'il soit payé. Ce fut un plaisir, sénateur. J'espère que nous referons bientôt affaire ensemble. Le Jedi renégat Cal Kestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôts d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté sur Norseed. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur? Des aveux signés? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je peux pas. Il n'y a plus que moi.
Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois, il suffit juste d'un discours. Ça se passe quand ? J'ai d'autres outils. Je me rappelle plus. Ou peut-être me dans les films, ça se passe à quel moment ? Le sabre de ton maître. Peut-être entre le avant le 4. Traître, comme toi. Comme toi. Et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arrogance. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre, sénateur. Je suis sûr que l'empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui en petits morceaux. Quoi ? Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper ? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Ah, merci, BD. BD, tu m'as brûlé pour ça. Je vais reprendre ça. Ah ouais ! R2. Ah, en vrai, j'aime un peu bien. Oh là là, ça y est, ça bosse. On a une cible en dessous. Oh là là. Allez, viens me chercher. C'est tout ce que vous avez dans le ventre, sénateur ? Sortez, je veux vous parler. Ah, c'est mortel ça. Enculé. J'ai appuyé. Je vais tuer. Je peux le faire. Ah oui, on a une jauge de force. Pas si vite, sénateur. Envoie BD. Là, il vient vers nous. Il arrive un peu trop vite. Beaucoup trop vite. Tiens bon. Ça fait rien. C'est des choses qui arrivent. Il faut atteindre ce yacht. Et c'est parti, les phases de grimpette pourrie. C'est pas passé loin, mon pote. C'est pas ta faute. On rattrapera le yacht. C'est vraiment le même jeu. Hein. Ils se sont pas fait chier. Non mais les phases de grimpette, faut vraiment arrêter dans le jeu vidéo. C'était déjà has-been à l'époque. Oh, il y a une espèce de coupe de cheveux bizarre là. Salut monsieur Ronflex. Ah bah j'ai craqué il y a 2 semaines déjà, mais je viens juste de finir de l'installer. J'ai une connexion de merde. Ok, on peut passer là. Il peut faire un truc. Scanner. Je peux pas l'ouvrir. T'as pas un truc pour t'en occuper ? Émetteur.
Ah attends, du coup je peux pas l'ouvrir avec Non. Okay. On doit retrouver ce yacht avant l'Empire. L'Empire. Cocaine. C'est sécurisé ici en haut. Tu vas désobéir à un ordre direct. Je dis juste qu'on a... Yatta ! Enculé ! Effectue un salto de Jedi. Quelles que soient les infos que cache le sénateur, j'espère qu'elles en valent la peine. Tu perds jamais espoir, toi, hein, mon pote. Ça lag un peu, non? C'est moi. Non, non, j'ai acheté le jeu à sa sortie, mais sauf qu'en fait, ma connexion, j'ai pas la fibre, en fait, moi. Du coup, j'avais 140 gigas téléchargés, donc ça a pris plusieurs jours. Et voilà, quoi, on en est là. Sauf que, voilà, je le mettais pas à download tous les soirs, parce que, bah, c'est l'enfer, un peu. Donc, j'ai mis à download quand je pouvais, quoi, et voilà, ça fait 2 semaines. Et il a fini d'installer aujourd'hui. Allez, on bouge, plus vite. On va pouvoir se reposer ici, mon pote. Ah ouais, il y avait les feux de camp. Enfin, les feux de camp, les machins, les trucs de méditation. Compétences. Salut Grouch. Frappe plongeante. C'est ça qu'il faut que j'achète? Maintenez triangle pour effectuer une attaque projetée à longue portée. D'accord, au moins c'est un coup d'estoc quoi. Ça va toi Grouch? Passer là, ok. Non. Salut Jean Soupape. J'ai servi pendant la guerre. Oh, rien à foutre de ça. Sans doute. Maintenant, dégage, ordre du sénateur. Ça suffit. Tirez. Ok, je peux aller là-haut. Ah, c'est quoi la suite? C'est On va aller voir la porte que je viens d'ouvrir là. C'est la suite là? Merde. Ah, attends. Je peux faire un saut de Jedi peut-être là? Mais attends, mais du coup, ça veut dire que je peux aller aussi là-haut? On est arrivé de là, hein, on est d'accord? Attendez, attendez. Ah, mais oui, il y a Zelda demain. Le suspect est un homme, vu pour la dernière fois. Ou des stocks. Du coup, je sais pas où je dois aller. Ah ouais, one shot le bordel. Oh, la map était pourrie aussi. Oh, c'est la même map. Ah les gars, quoi. Toujours la map la plus pourrie. Ouais, Day One, hein. Bah demain, découverte de Zelda, hein. J'annonce, hein. Un genre de minerai rare, je suppose. Éclat de priorité. C'est magnifique. On va aller par là, écoutez. On va aller voir par là. Day One. On tente le salto de Jedi. Hop. Ah, c'est juste pour choper un loot, en fait.
D'accord. Je sais même pas ce que je viens de loot, j'ai même pas lu. Moi j'en ai rien, il m'en fout quoi. Le chat enfin. Redouane. Très beau prénom en tout cas. Si j'ai un enfant, je l'appellerai Redouane. Ça rime avec Macédoine, donc vraiment incroyable. Oh, les trucs faut passer au travers. Les temps de chargement cachés quoi. Ils ont vraiment honte de rien. Holocarte débloqué. Ah attends. La flèche c'est moi, l'espèce de rond avec un boudin de zizi, c'est l'objectif principal. Indiqué en doré. Ah oui d'accord. Jaune c'est inexploré. Vert. Chemin disponible, rouge, verrouillé, ok. Attends. Mais du coup, quelle est la différence entre les portes jaunes et les éléments verts? Puisque c'est deux éléments qu'on peut explorer, en fait. C'est ça que ça veut dire. Il dérive toujours. Faut que j'aille là, quoi. T'as bien raison, bébé. On va la voir. Donc en gros, là, je peux aller là. Bah, je dois aller là, de toute façon. Je pense, hein. Un turbo dog. Tiens, bah regarde donc le turbo dog. Vas-y, viens là. Viens là, sale merde. Incroyable. Tu l'appelleras pas crapustule. Mako façon style, mon inexpérience de streamer et mon skill inexistant. Ah mais faut se lancer mec. Franchement mec, si tu le stream on sera là hein. Enfin moi je serai là en tout cas. Je les vois. La criminalité est dans ces temps-ci. Enfin peut-être pas si c'est ce soir à minuit mais hein. Posture de sabre. Ah oui, c'est vrai. Oh, on voit rien, what the fuck. Que si tu streams pas l'expérience. C'est sûr que si tu streams pas l'expérience. Tout pareil qu'avec les meufs. Sympa de couper les zizi. Si je me suis pas endormi, alors je lancerai ça. Le voilà, abattez-le. Allez, d'accord. Waouh. Ah ouais, ok, d'accord. Putain. Lance-moi un steam, tu veux ? J'ai où, là ? Merde ! Ah oui, d'accord.
Des pauses dans les jeux pour le tuto, grave. Tu tiens le coup, BD ? Vraiment de la merde. Ne regarde pas en bas. Carré. Appuie sur carré pour le one shot. Mais non, c'est non, c'est faux, je sais pas qui c'est. C'est Barney. Tu sais, je me baladais, j'admirais la vue. Barney Stinson. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Coruscant. Merci, Baud. Mais non, c'est Baud. Quand j'ai vu le caisse s'effondrer, je me suis dit que ce coup serait vite bouclé. Pourquoi leur faciliter la vie ? Ah ! Où est l'équipage ? On va vers le yacht. On les rejoindra là-bas. Oh, et bravo a dit pas de radio. Pas de radio. Bravo, c'est ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, le gars. Bah oui. Raccourci débloqué. Les Lys doivent être en train de mourir de faim. Des Pietouiniens affamés. Hey Gordon. C'est pas une bonne chose. Rappelle-moi, n'oubliez pas que vous me devez une bière depuis Black Mesa. Dépêchez-vous, Gordon. On vous attend à la salle de test. Je crois que c'est gagné. Pas de canonneur. Ils doivent être en train de semer le chaos. On va pas les faire attendre. Comment on va te faire traverser ? Bon, ça n'a pas marché. Tu penses pouvoir renverser cette caisse ? Ça vaut le coup d'essayer. J'ai rien compris. C'est moi ou j'ai rien compris ce qui vient de se passer ? Il a fait tomber une caisse et l'autre il a fait pop un câble. Rappelle-moi de te raconter comment je l'ai eu à l'occasion. Qui t'a appris à bouger comme ça ? Mon maître. Chaque fois que je tombais... Ah oui, c'est très dirigiste. Bah, le jeu premier était déjà pareil. Hein. Bon, après, là, c'est un tuto, donc... Une patrouille de Stormtrooper. Où ça ? On est recherché. Mieux vaut nous que le yacht, hein ? D'accord. Et donc ? Par là ? Ah non. J'ai trouvé quelque chose. J'ai droit à la moitié. Trésor. Yes. Et donc, je dois aller où ? Pour le câble, là, peut-être ? Je sais pas où je dois aller en fait, donc comme ça peut-être. Ah ok ok, je l'ai, j'ai compris. Impressionnant. Ah, impressionnant. Hein. Jetpack. Tu vois ce câble ? Je m'en charge, Kestis. Bon, c'est pas... Non, je sais pas ce que vous en pensez. Couleur de Coruscant. Ah, c'est couleur pour BD-1. Ouais, génial. Donc pour le moment, ouais, c'est pas fameux, quoi. Faut que j'aille où, du coup. C'est clair qu'on n'est pas sur Triton, là. Ah merde, ok. What ? Ah ouais. Le mec il touche un câble et il se fait TP en haut du câble. Pas mal ça.
Des larbins en bas. On peut pas les éviter. Et bah go. Alors on va forcer le passage. Il va mon gars. Il a peur de quoi lui? Sur carré ça les tue les mecs. Ah j'ai cru que c'était un chasseur de primes. Ennemis à terre. Des soldats arrivent. On va les prendre par surprise. Bien sûr. Ah. Signal. Oula. A 50. Maintenez R1. Puis appuyez sur carré pour demander à Bot d'attaquer. Oh je sens que c'est pourri ça. Maintenant. Jack les mecs sont... C'est-à-dire que les ennemis c'est des culs, alors en plus si on demande à un bot de les tuer à notre place, on joue même plus quoi. Je parle pas le binaire, mais je comprends, BD. On est une équipe. Essayons ce chemin. Il va pirater le panneau publicitaire. Comme Hit the Road. Le mec vole quoi. Waouh. C'est tout bon. Hop là. Chasseur de primes. Ah. Alors, posture. C'est quoi ça, posture? On peut changer de posture? Oh! Ok. Ouais. Se reposer, évidemment. Et compétence, voyons. Point de compétence, 0. Bon. Au moins. Y'a un truc en bas, là? Allez. Cet endroit est une ville fantôme. Coruscant a beaucoup changé ces dernières années. En ce moment, le simple fait de sortir, c'est déjà chercher des ennuis. Quel est l'intérêt de cet endroit là ? On peut grimper là ? Ah ouais. Ça s'ouvre pas. Le mec se la joue Metroidvania, mais... En fait, non. Qui va revenir ici Ah tiens, je vais revenir dans la zone tuto pour ouvrir les 4 portes que j'ai pas pu ouvrir hier. Pour choper une couleur de poncho et une crotte de nez pour BD1. En parlant de problème, évitons cette patrouille. Je suis d'accord. Oh! Ennemi à proximité. Oh bordel. Ah merde, il m'a pété la gueule! Les nouilles? Quoi? J'ai rien compris. Rond pour récupérer rapidement après avoir été mis à terre. Ah oui, d'accord. Ah, je déteste les droïdes sondes. Idem. Je t'ai trouvé après. On va devoir se battre. Oh le bâtard! Ah oui, en fait il me pète à la gueule. Ça lui apprendra. Ok. D'accord. Ah, je peux atteindre le poteau là? Wow. Ouf. Ah c'est chaud là. Oh! Pour ralentir les ennemis. Ah oui. J'ai cru que c'était la rage de Spartiate. C'est un peu ça, hein, le God of War au final. Hop, ça ralentit pas les ennemis, le God of War. What? Bah, j'appuie sur L1, what the fuck? Allez vous faire enculer!
Oh la doublette, œuf jambon fromage, incroyable. Crotte de nez. Hop là. Ah j'aimerais trop qu'il y ait des du gameplay en vaisseau. Ça, ça serait incroyable. Une impasse. Revenons en arrière. T'as vu qu'ils ont up Muplodocus. Salut Mister. Non, j'ai pas vu. Bah tant mieux. Ratchet and Clank. En même temps, mon taï, c'est vrai que c'était abusé. Hein. Attends. Mais... Je voulais le balancer sur l'autre. Attention. Non. Mais what? Mais c'est inesquivable. C'est inesquivable, les gars. Première mort. J'étais en esquive, je faisais ça. Je faisais ça, hein. Et le jeu a dit non, c'est bon. Abusé. Abusé. Alors, attention. Contact ennemi. Qu'est-ce qu'on fait pour... Comment on le tue, lui? À mon avis, il faut... Ok, lui renvoyer ses projectiles. Ok, ça a pété à la gueule de l'autre sac à merde, mais c'est pas grave. Vache, c'est super dur à esquiver ça. Bientôt 11 000 duvel en points, j'ai de cotiser pour ce week-end. Incroyable. Non! Putain! Oh, j'ai sauté en mode random. J'avais oublié. Aucun sens. Ah merde! Bon, c'est pas grave. Bien sûr que j'hésite pas à tuer. Mais vous non plus, vous hésitez pas à tuer en fait. Donc qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est fait. Attends, il y en avait un autre là-haut, non? Non. Putain, faut que j'aille récupérer la crotte de nez ou je les loot déjà? Ok, je l'ai déjà loot. $35,000. Un demi-million. Ah ouais. Ah, c'est là où je suis mort. L'autre là-haut là, faut niquer. Moi j'aimerais avoir un gun aussi. J'espère qu'on pourra avoir un gun. Je crois que BD veut que tu la bouges. Alors maintenant je dois. Bah pour l'instant c'est la même chose. Mais c'est le tuto, ouais, donc il y aura peut-être des nouveaux trucs au fur et à mesure. Ah oui d'accord, ok, j'ai compris. Ok.
L'empereur a transformé le temps. L'empereur. Ouais, l'empire est doué pour ça. Prendre un truc que t'aimes et en faire un truc que tu supportes plus. Mirror's Edge. Oh. Ça fait combien de temps que tu bosses avec Saw Gerrera ? Pas longtemps. J'ai juste fait quelques missions. Ah, Saw Gerrera, ça me dit un truc. Ce qui n'est pas facile. Ils en ont parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il est pas dans une série ou quoi ? En général, ça m'ouvre pas mal de portes. Pas mal ça. C'était déjà probablement dans le premier, mais pas mal. Forest Whitaker dans Rogue One et Andor. De quoi, Saw Gerrera ? Attends, il a deux noms, le mec ? Les outils de l'Empire contre eux. Empire contre-attaque, hein, de toute façon. Quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque. Hein. Ah, raccourci. On a flou. Oh le bâtard. Oh non. Oh, je me suis fait eu. What? Bah, j'ai contré pourtant. Putain, c'est dur, hein. Eh, pas facile leur truc à la con, là. Beau travail, mon vieux. Attends, parce que j'ai ouvert une porte, alors... Mec, cela joue Metroidvania, donc faut savoir où on va, hein. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est que cet endroit. Ah. Ça a l'air précieux. Je pourrais garder ça pour toi. Bien tenté. Bien vu. Bien vu. Bon, voilà. Oh. On va voir si les patterns de ces robots sont différents. J'ai hâte de voir ça, conserve. Les attaques rouges ne peuvent pas être bloquées. Ah ok, c'est pour ça que tout à l'heure je me suis fait niquer en fait. Douleur infligée. Sans intérêt. Longévité de la. Oh attends, ça a l'air dur. Attends, attends, faut que je capte. What? Mais. Attends, je comprends pas là. What? Mouvement brusque imprévu. Ah, il a une deuxième barre de vie. Vous le regretterez. Ce type t'aimait vraiment pas. Mec, il avait plusieurs barres de vie. J'ai pas mal compris. Je vois pas comment monter. On va jeter un œil. Trouver quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Récupère une couleur EE crayon mine. D'accord. Camembert jaune. Il est un peu abîmé. J'enfourche mon vélo et je ronge les ongles de Phil Collins. La barre blanche, c'est la barre de stamina. À ce qu'on dit, t'as combattu l'Empire sur Kashyyyk ? Ouais. T'as piraté un marcheur et forcé un camp de prisonniers impérial à toi tout seul. Ça, c'était BD. Rien que vous deux. Et quelques amis. Et toi, le nouveau? T'es là pour les crédits, j'imagine? J'aime les crédits, c'est sûr. Mais... Il est vraiment dégueulasse, le héros principal. Je suis désolé, mais... J'ai une fille. Kata.
C'est la cata, sa fille. Je la vois pas aussi souvent que je voudrais, mais au moins je peux la nourrir. Ça doit être dur d'être loin d'elle. Sa mère est... Non. Monsieur et Madame Pult ont une fille. Cata, catapulte. L'Empire nous l'a enlevée. Bien joué. Joker à lunettes, tu gagnes 32 bulots. Ils ont pris beaucoup de gens. Beaucoup trop. Tu sais t'en servir ? Je vais m'en sortir. Je vais t'y faire ailleurs sur Braca. T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune. J'essaie seulement de survivre. Comme nous tous. Alors. Ok, j'ai câble d'ascension. Où ça ? Ça là ? Bah je te vois pas en fait, donc ferme ta gueule déjà. Oui ? Bah il est où le gars ? Mais je sais pas où t'es, fils de pute ! Une blague. Ah oui, d'accord. Le câble d'ascension tient. Et on s'en chaîne, dis donc ! On est sur un chef d'œuvre, apparemment. On peut se servir de ce terminal pour faire pivoter le panneau. C'était pas si dur. On retourne au pont. J'espère que l'équipage va bien. Si Gab s'ennuie, elle risque de pirater les radios des Impériaux juste pour s'amuser. Elle est si douée que ça. Elle était douée, bien entraînée. Mais elle s'était mise ses employeurs à dos. Bravo était un pilote de la République. Un ex-militaire. Je comprends mieux. Comment t'as commencé à bosser avec Kubelis ? Une cantina sur Norcide. Un chasseur de primes m'avait pris de vitesse. Les jumeaux l'ont jeté dans un puits de mer. Oui, merde. Et puis, c'est des amis. Je dois vider mon esprit. De vider mon esprit. Libère ton esprit, Néo. Oh ! Ah, attends. Force, il y a deux trucs. Alors c'est quoi ça ? Harmonie avec la force. Augmente le niveau de force maximal. Ok. Appuyez sur L2, R2 pour tirer brutalement vers vous des groupes d'ennemis à proximité. Ça c'est pas mal. Maintenez carré pour infliger des frappes rapides à un seul ennemi. Ça a l'air pourri. La frappe plongeante va plus loin, de la merde. Attends, c'est ça la frappe plongeante, ouais. Appuie sur L1 juste avant le contact pour renvoyer jusqu'à deux projectiles de blaster d'affilée. D'accord. Augmente le niveau de santé. En vrai, je pense que je vais augmenter la force. Niveau de force, ça c'était quoi ? Ah, le groupe d'ennemis. Non, je pense que je vais prendre ça. Ça a l'air sympa, ça. Voilà. Et là, après, je peux colorier, quoi. Bah ouais, un petit jetpack, j'aurais bien aimé, hein. Surtout l'histoire du jetpack, quoi, allons c'est ça. Trouver l'équipage. Ouais, faut que j'aille où, du coup ? Merde, je sais pas où je dois aller. Incroyable, cette carte, en tout cas. C'est par là ? Je pense que c'est par là. Jusqu'au sénateur. J'ai l'impression qu'il veut doubler ma part. C'est bien ça, BD ? Eh oui, je suis BD. Il y avait encore une plaquette pour level, non ? Je sais pas. Tête.
content de te voir. Salut, Bravo. Aucune mission ne se déroule jamais comme prévu, hein. Bravo, Bravo. Comment va la nouvelle recrue? Il parle un peu trop, mais il est pas mal en combat. Ça me va. Gaps a piraté le yacht. Le sénateur ne peut pas appeler grand fort, mais il s'est bien barricadé. J'aime tellement pas les jeux où t'es accompagné par des connards qui parlent. Ça me gonfle. J'ai l'impression de jouer à un GTA, quoi. Je venais de parier avec les jumeaux que ils étaient pas méchants, hein. Mais eux, ils m'avaient pas capturé, hein. Si tu meurs, c'est moi qui récupère le mantis. Moi, je comprends rien. Désolé, Gabs. Ça dépend pas de moi. Ah, c'est GT Gabs. Alors, c'est quoi le plan? Ce yacht est un sénat Ramsidian. Le sénateur y garde des secrets militaires sur son terminal privé. Ça nous donne une chance contre l'Empire. Salut, Turbo Moustache. Le problème, c'est que la cabine est protégée par un sas. Même les jumeaux ne pourraient pas l'ouvrir. Comment on va faire? Un Saskatchewan. Vous vous faites descendre le yacht jetpack. Puis place à ma magie de pirate. Avec mon charmant assistant. Je vais nous chercher un taxi. J'en reviens tout de suite. Allez, c'est parti. Pas mal la diversité en tout cas. Une femme. Les jumeaux. Un Renoir, un Espagnol et un Roux. Qu'est-ce que je dois faire? Pas mal. Utilise-le. Bien sûr. Et deux jumeaux dégueulasses. Merci les jumeaux. Merci les jumeaux. Et deux Mongols. Alors faut que je vais où là? Voilà, personne n'est décédé, hein, j'annonce. Faut que je vais là? Deux tuyaux autour du yacht. Je pense pouvoir m'en occuper. Hé, hey, Cal, j'ai essayé de bouger ces tuyaux, mais... Oui, Gabs m'a donné l'info. D'accord. J'étais Gabs. C'est bon pour le premier tuyau, Gabs. Tu peux dire aux jumeaux de descendre le yacht? Je m'en occupe. À vous. À vous. Attends. Jean-Michel, à vous. C'est bon. Attention, ça fait une sacrée chute. Je fais toujours attention. J'ai pas trouvé le temps. À vous. Pour info, je l'avais un peu desserré. Bien joué, champion. Allez, monte. On va te faire descendre. Faut que j'aille là. J'y suis, Gabs. Les jumeaux, le yacht est à vous. Ouais, j'avoue, hein. On va s'occuper de ce Ramsidian. J'avoue. Bah, en même temps, c'est toi qui as lancé avec un Camoulox, gars, déjà. Et maintenant, cher assistant, il est temps pour nous de pirater. Ah ouais, il bosse. Ah mais oui, c'est le connard. Qu'on en avait pas terminé. Donnez-nous le code du terminal. Impossible. Ils m'exécuteront. Bien. Par quel outil de... Ils m'exécuteront. De moi que j'étais incisif. Celui-ci était moussé. Mais
ça ira. Je peux peut-être le faire changer d'avis. Vous allez me donner accès à votre terminal. Je ne peux pas. Faites-nous confiance, nous sommes vos alliés. Déverrouillez-le. Nous sommes des alliés, je vous fais confiance. Je vais déverrouiller le terminal. Ça veut dire qu'il est faible d'esprit, hein. Pour se laisser avoir par la force comme ça. S'il bouge, allume-le. Avec plaisir. Allez, BD. Voyons ce qu'on a là. Ils sont partout. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on espérait. Des années de combat. Mais rien de ce qu'on a fait ne les a freinés. À quoi t'attendais-tu? Tu as perdu. La République n'est plus. Elle a été tuée par Il fait chier le sénateur Séjean Reno, là. Crois-tu vraiment que je voulais qu'Utapao rejoigne l'Empire? Les compromis auxquels j'ai consenti ont garanti l'avenir de mon peuple. J'y suis allé sur Utapao. Là-bas, tout le monde vous méprise. Au moins, ils sont en vie. Pourquoi se battre quand la victoire est impossible? La reddition a un goût amer au début, Cal. Mais il s'adoucit avec le temps. Libère-moi, et je te proposerai un marché. Non, sénateur. Un jour, quand vos enfants verront ça, ils sauront que les Jedi se sont battus pour eux. Quelle terrifiante naïveté. Hé hey, les jumeaux ont les yeux qui scintillent. Finissons-en avant de nous retrouver avec un nouvel incident de Carida sur les bras. Il vient avec nous. Les jumeaux ont les yeux qui scintillent. On prend un emporté. Ah d'accord. Ah, salade tomate oignon. Ah bah la cour en SD, ça y est. Ça veut dire quoi qu'ils aient les yeux qui scintillent là? Qu'ils aient les yeux? Ouais. Rien compris. Vous êtes chanceux, sénateur. Vous avez rendez-vous avec Saw Gerrera. Il me tuera. Non, j'en suis pas si sûr. Tout dépend de votre coopération. C'est un talent apprécié par les sénateurs, non? Batissa. La coopération. Batissa. Kunta. On a ce qu'il nous faut? Oui. Je me demande ce que Saw nous a préparé après ça. D'abord, il faut transmettre ses infos. Mais attendez, mais Saw Gerrera, c'est le mec dont vous me parlez tout à l'heure. Et pourquoi il a deux noms, en fait? Je comprends pas. Tu paieras pour ça, Cal Kestis. On a un plan pour le sénateur? Je dois encore y réfléchir. On pourrait toujours demander à Kubelis de voir si le sénateur s'est volé. Kubelis, s'il vous plaît, ne faites pas la blague auquel je pense. Sinon, j'aurais envie de crever, en fait. Ça t'embête si je fouille un peu dans le terminal de Sejan? Le sénateur a peut-être d'autres trucs qui pourraient nous être utiles. Tu veux dire des informations que tu pourrais revendre pour te faire quelques crédits? La personne est morte intérieurement. Pour la bonne cause et pour sa pomme en même temps, Cal. C'est ça, la guerre. Peut-être un autre jour. Dak, mais tu nous offres le repas. Désolé. Dakodak. J'ai changé d'avis. On devrait toujours cibler l'Empire. L'Empire. Mais on agit pour une bonne cause. Non, ils sont blindés. C'est sûr tout ça. Les Huts ont presque l'air fauchés à côté. Je parie que ce sénateur a encore plus de... Ah ouais. Salut Conker, bienvenue. Putain, mais la cour là. Qu'est-ce qui se passe? Bon écoute, c'est pas foufou quoi. Mais j'ai hâte d'y jouer sur ma télé en... En 60 FPS et tout. Et il y a les petits mots corsés, hein. Ah, mais putain. Vous
étiez en train de cacher un traître. C'était pas un boss dans le premier, ça? Ça me dit quelque chose, ce perso dégueulasse. Kestis! Ouvrez la porte! En 1, en 2, en pire. Ah ouais. Ah ouais! Ned Farik, une inquisitrice? Il me faut un gun aussi, moi. Attention! Hey Gabs, merci pour. Ouais, elle est morte, hein. Elle s'est fait tirer dans le dos, on l'a vu. Bah, c'est rideau, hein, ma gueule. Hein. J'étais Gabi, il est dead. Cal, on doit y aller! Cal, reviens! Le mec, il a cru que j'étais un Pokémon. Ah ouais. Merde. Rejoindre le Mantis. Gabs. Les jumeaux. Ouais, bon, c'est pas une grosse perte, hein. On pleurera plus tard. Il faut bouger. Ils sont en notre poursuite, mon pote. Il va falloir la jouer fine cette fois. Attends, un sous-mural, c'est-à-dire? Attends, c'est juste... On est d'accord, c'est le pire gameplay de l'histoire, non? Ou c'est moi? C'est même pas un wall jump classique, genre... Mur 1, mur 2, mur 3, mur 4... Enfin, non, c'est toujours les deux mêmes, mais... Non, c'est en fait, tu fais un wall jump sur le même mur, quoi. Aïe. Aïe, d'accord. Moi, je dis Lemminx, hein, personnellement. Alors, compétences... Bah non, mais j'ai 0 points. C'est reparti. Wow. Non mais gars, mais c'est de la merde. C'est infect. Accès non autorisé. Activation des protocoles de sécurité. Ah oui. Il gueule lui. Approchez et identifiez-vous. Vous ne pouvez pas fuir. Oh, il a les mêmes attaques. Il y a pas le uppercut à la fin. Le uppercut. Ah ouais. Ah, il me prend par le col. Putain, c'est Soral. Un coffre, ouais, les gars. Ah oui, j'avoue, derrière le robot. Attends, j'y retourne. Franchement, c'est pour choper une crotte de nez, gars. Je m'en rends. Hein. On va quand même y aller. Ça peut te faire plaisir, mais. Il y avait un coffre là-bas. Ah, ça, c'est un coffre. Aïe. De Steam, ce sera utile. Oh, ça me rajoute une capsule ou ça me donne une capsule? Oh. Ah ouais, je suis à 3 capsules. Ah bah si, bah c'était bien. Cimer, mec, parce que vraiment c'était bien.
Oh. Oh le bâtard. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait faire ça. Il est là-dedans. On va le trouver. Soyons prêts. Un intrus ! Venez par ici ! R1, roue, désorienté temporairement un ennemi. À mes côtés. Pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, il y a pas très longtemps. Bon. Oh, c'est bon, ça va aller là. Hein. Il est sérieux ou quoi ? Que Siri s'attendait à ce que je m'en serve comme ça. Il y a des Stormtroopers partout. On doit faire attention, mon pote. Ce sera ma première victime. Tu as déjà... Bien sûr. Tenez vos positions. Ah merde! Mais j'ai l'impression que vraiment la fenêtre de parade est plus la merde. Facile leur truc à la con. Hein. J'ai besoin d'aide. J'en ai marre de cet endroit. Et qui le dis-tu ? Ne traîne pas, BD1. Non, non, les wall jump, c'est vraiment une catastrophe. Hein. On s'arrête un instant. Alors. On se repose évidemment. Un point de compétence. Qu'est-ce que je peux faire ? Augmenter la vie. Pouah, la vie en vrai. Voir les compétences de sabre laser. Ah oui, je reste. Ouais, d'accord. Il me semble que je l'avais déjà. C'est les mêmes que tout à l'heure en fait. Ouais. On avait augmenté quoi ? La force ? Ah bah, j'ai rien d'autre. Attends. Non, mais c'est nul, j'ai pas envie de me prendre ça, quoi. Ou j'augmente ma barre de force, quoi. Ouais, vas-y. On va prendre ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas si mal!
Ah oui. Ils veulent m'avoir. Alors me voilà. Un dérapage dans les airs. Aucun sens. Cal. Content de te On voir. T'emmène. J'ai parlé trop vite. Je m'occupe de l'inquisitrice. Surveillez mes arrières. Ok. Il faut la faire sortir d'ici. Pas trop ce que je dois faire exactement. Je fasse quoi exactement? Je m'occupe de l'inquisitrice. Je sais même pas qui c'est l'inquisitrice. Ah oui, d'accord. Ça va, quoi. Aucun souci. Le mec est tombé sur le dos d'une hauteur de 20 mètres, tout va bien. Non, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, Gooch. Tu mérites même pas de pouvoir jouer à Zelda ce soir. Voilà, je le ressens. Voilà ce que je ressens actuellement. Ta faute uniquement. Mais tu souffres au fond de ton être, Kestis. D'où je souffre? Je peux le sentir. Tu culpabilises d'avoir mené tous ces imbéciles. C'est quoi ce perso dégueulasse, quoi? Tu es tellement, tellement prévisible. Bienvenue en 2023. Oh, j'aime jouer avec ma nourriture. Wow. Ne résiste pas. Prévoir coûte. Bah, j'ai appuyé. Une vanne, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on avait double. Ça, c'était mortel. Double sabre. Posture maintenant. Maintenant. Posture maniement double obtenue. On l'avait déjà, hein. On l'a déjà dit, en fait. Ça m'impressionne pas. Ça, c'était incroyable. Juste une égratignée. Wow. Bah ouais, mes gars.
Ah oui, d'accord, super. C'est la fête, quoi. Aide-moi, s'il te plaît. Faites du slibar. Tes amis sont tous morts, qu'est-ce que c'est ? D'accord, super, on peut pas l'esquiver ce truc là apparemment. J'appuie sur esquive, bordel. Quoi ces conneries là? Avec la posture, maniement double équipé, maintenez triangle pour parer automatiquement la plupart des attaques. Ah bon, c'est facile ça. Je reste appuyé sur triangle. Ah, ça marche bien. Bah. Je l'ai fait juste avant, ça marchait pas. Aucun sens. Tu étais un chevalier Jedi. Avant de trahir notre ordre. Ça me fait penser à la... Je sais plus qui avait partagé la photo là. Ton nom était Massana Tide. Une bande de meufs où t'avais genre 3 meufs. Enfin ou 4 meufs et elles avaient tout un prénom normal. Et t'en avais une qui était fat de ouf. Et qui s'appelait le démon... Le démon des enfers ou je sais plus quoi, enfin elle avait un nom. Bah c'est cette personne en fait. C'est exactement cette personne, mais... Ah ouais. Ouais. Je vais bien. Ouais ouais, c'est, je crois que c'est toi qui l'avais partagé mec. D'accord, et donc on peut se mettre en maniement double. Ça c'est trop facile, enfin c'est trop pété ce truc là. Non mais c'est, mais là mec, là c'est obligé de se moquer en fait. C'est si tu te moques pas qu'il y a un problème. C'est une obligation. Attends. Maniement double. Maintenez L1 puis appuyez sur carré pour attaquer et sauter vers l'arrière. Ah, ça a l'air pas mal ça. Ok. On prend. Pas mal. Baud, bravo. Vous êtes là ? Retournons au Mantis. Si les autres s'en sont sortis, ils nous rejoindront au hangar. Sinon... Ah, le voilà. Ça va aller, fils de temple, ou comment ça se passe? T'as d'abord des suites des armes cul ou quoi? Ah ouais. Allez, fous-moi le camp. Voilà. C'est ça qu'on veut en fait, c'est exactement ça qu'on veut. Ah mais c'est ma tête. Ma tête. Oula.
Ma grosse tête. Hey, il est en bas. Wow, 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 wow. Allez-y. T'es rapide. Tant mieux pour toi. Rapide comme les clés. Tu manques d'entraînement. Oula, je fais n'importe quoi. Attends. Attends, viens là. Ah, il résiste avec son bâton. Incroyable. Coupé en deux, le bordel. Une fois, coup de main. Oui. Ah, j'aime mieux ça. Et oui. Tu es mon ami Francis. What? Pardon. Ils ont oublié... Attends, je crois qu'ils ont oublié de faire la suite du jeu, en fait. Ah, mais t'as pas vu, il y avait un câble à droite. Ah non, je l'ai pas vu, désolé. Je n'ai pas un œil bionique. Alors, tu peux grimper, enculé? Merci. Suicider ça. Ça c'est pour le cinéma ça. Ah attends. Non. Wow. Oh c'est bugué. Vous êtes vivant. What? Grâce à cet arrêt de fils de Gundark. T'es blessé. C'est moi, il vient d'avoir une salve de tirs laser qui nous ont traversé quoi. Elle est morte. Aucun sens. Mais Gabs et les jumeaux, j'aurais dû... Ils étaient au courant des risques. Il faut rejoindre la surface et informer Sogerera. C'est comme ça qu'on leur rendra honneur. Force et honneur. Oui. Bon, BD, appelle les vaisseaux. Bon, s'en bat les couilles. Ouais. Bon, allez. C'est pas le genre d'accueil que j'espérais, ça. Bravo. Il est immonde, ce tu perso. Peux surveiller. Tout le monde est laid, en fait, dans le jeu. Super. Je vais faire diversion. Toi, tu tires quand il te regarde plus. Il est temps de payer l'addition. A plus tard, le ferrailleur. Ça va faire beaucoup de boulot s'il doit faire une dizaine de versions, quoi. Ça... Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez venir me voir en spectacle au Théâtre de la Femme Soul. Tous les mercredis à partir de 18h30. Vous imaginez les gars si j'avais un spectacle comique? Si je faisais de la scène comme... En tant qu'humoriste quoi. C'est parti. Très bizarre hein. Je pourrais vraiment dire ça. Ah, au fait, je joue au théâtre de la tortue qui pêche. Bon, moi, ça me ferait marrer, personnellement. Alors, se reposer. Bon, c'est reparti. Je ferai des rodages. Je ferai des rodages sur Twitch, quoi. Waouh. Oh, what? Il est fait péter comme ça, lui? On a
Ouais, je suis pas si fort que ça, bien sûr. C'est quoi ça? Ok. Mais ça marche jamais ce truc, hein. Je vous jure que là. Pas dans la bonne direction, c'est ça? Non? Attends, je suis perdu, je dois aller où? Je dois aller où exactement? Par là? Non? Bah ouais, non, non, c'était bien la bonne direction. Je sais pas ce que je dois faire, les gars. D'accord. Waouh, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, il fallait que je tue tout le monde, d'accord. Des Z95? Pas mal. Celui-là est pour toi, Baud. J'avais bien senti que ce serait tendu. On se retrouve dans les airs. Prêt. C'était super pour un premier encart, mais j'attends encore ma paye. Une balise de localisation? L'autre est sur le Mantis. Quand ce sera plus calme, viens me retrouver. On discutera. Ouais, je te fais confiance. T'as vu ces infos? Il reste encore beaucoup à faire. Ça se profile bien pour moi, hein, BD? Hey, Baud. Que la force soit avec toi. T'es un bon combattant, Cal. Voyons si tu voles aussi bien. Ça serait bien une phase en vaisseau. On est bon, BD? Oh. Quoi que ce soit, ça devra attendre qu'on soit en lieu sûr. On dirait que ce portail est en maintenance. Dès qu'on atteint la surface, on passe en vitesse lumière. Faut prendre le risque. On s'est suffisamment attardé comme ça. On a de la compagnie. À mon
signal en freine. On passe derrière eux. Bien reçu, bravo. Et moi, en fait, ça, je veux le faire. Je veux jouer, moi. Bon travail, tout le monde. J'espère que c'était le dernier. J'aime pas m'éterniser. Il y en a d'autres. Je me détache, je vais en distraire quelques-uns. Merci, Baud. Bonne chance. À toi aussi, Cal. On se voit plus tard. On peut aussi faire comme ça. C'est toi qui m'as appris ça. La sortie, on y est presque. Il y en a d'autres qui arrivent de la surface. Et derrière nous, on est piégés. Et le Renoir qui crève. On a un peu morflé. Bah. Tu lances un diagnostic pendant que je transmets les infos. On a un peu morflé. Bah, y'a un de tes potes qui est mort en fait, mais bon. Ça a pas l'air de trop te chagriner. Envoyé. Pourvu que ces infos soient utiles. Putain, mais il est vraiment... Mais il a les cheveux vraiment couleur... Couleur feu du démon, quoi. C'est fou, quand même. On a réussi. Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore? Sur la table. Eh bien, c'est ce que nous espérions. Ce livre est une copie qui provient des archives Jedi. C'est génial, Serré. J'aurais aimé qu'on empêche l'Empire de s'emparer du reste. Patience, on ne gagnera pas cette guerre de sitôt. Et pas tout seul. C'était la handicam de l'époque. La galaxie est vaste, Troïde. Et je n'ai vu qu'une infime partie de ce qu'elle a. C'est marrant ça, Turbo Moustache. Ouais, je le stream demain, normalement. Demain après. Mais un jour, je retournerai sur Datomir. Datomir. Et je murmurerai ce que j'ai appris à mes sœurs en sommeil. Tu n'es pas invité. Je me rappelle plus du tout de ce perso. Chiamant, moi. Tu sais que c'est pas tous les jours que je sors mes vieilles recettes de famille. Oh putain, j'ai envie de roquer à ce jeu. Je me rappelle du gars au bout de la table, je me rappelle de la meuf tout à gauche, mais alors la blonde, je me rappelle pas. C'est bon. Mais tu pourrais mettre plus de sel. Trop de sel, c'est mauvais pour la santé. C'est super, Grise. Je serai prêt à payer pour manger ça. Vraiment? Je vais peut-être te prendre au mot, Cal. Git, vous trouvez... Eh, s'il mange beaucoup, Cal, ça va le caler, hein. J'imagine que c'est censé être un peu émouvant. Je sais pas. Le gyro marche plus. On en a besoin. Il y a des stations dans le coin. Le gyroscope ? Il joue avec le gyroscope comme dans Mario Kart ? Évidemment.
fais voir le système Kubo. Kubo ? Oh putain, j'ai trop hâte de jouer à FF16. Alors c'était ça ta... Non, c'est Kubo ? Kubo ? En plein milieu de nulle part. Un bon endroit pour se faire oublier. Et si quelqu'un peut rafistoler le Mantis, c'est bien Gris Dritus. Tu crois que c'est jouable ? Bah c'est pas si mal, c'est pas si mal. Bon bah écoutez, un peu avant d'aller voir Grise. Tu sais qu'il est un peu maniaque. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette découverte. Je sais pas comment on fait pour sauvegarder. Là peut-être. Dernière sauvegarde il y a 19 secondes. Bon parfait. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette découverte. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Écoutez, c'est pas trop mal, mais bon, ça a l'air d'être la même chose que le jeu, le premier. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai hâte d'y jouer quand même sur ma télé. Je pense que ça va être vachement mieux que sur ce petit écran de merde. Voilà. Donc, bah, écoutez, des bisous à tous. J'espère que ce petit stream vous aura plu. Et puis, que cette petite vidéo découverte vous aura plu aussi. Dis à très bientôt. Allez, au revoir.